vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est à Annecy, j'ai pas encore trop changé de lieu, toujours pour les études. Et là, du coup, pour cette vidéo, je vous embarque venir avec moi sur quelques activités qu'on pratique là ici. Moi, je pratique du vélo pour la récup et pour plutôt ma prof physique aussi. Je me suis mise il y a pas très longtemps à l'escalade. C'est trop cool. Je suis pas très forte, je suis pas très douée, mais juste passer du bon temps avec les amis et faire ça, c'était pépite. Et je voulais d'abord remercier Decathlon parce que sans eux j'aurais pas pu faire ces activités là. Ils ont pu m'offrir une carte cadeau où j'ai pu acheter plein de matos et les chaussons d'escalade, la corde d'escalade, les dégaines, etc. Tout vient de chez eux. Donc déjà un grand merci à eux de m'avoir octroyé cette petite carte cadeau. Du coup maintenant j'ai tout mon matos et je vais pouvoir en faire partout, donc ça c'est pépite. Et on dit allez, c'est parti. Et voilà les nouveaux joujoux. Une corde. Et là il va avoir tout le matos à l'intérieur. Ça y est, je viens de récupérer tout le matos. Donc tout le matos d'escalade. Il y a une partie aussi pour le vélo et tout. Donc tellement contente de pouvoir avoir du matos d'escalade, de vélo gratuit. Et maintenant, on va aller réparer ma connerie d'hier. Là j'ai fait une grosse bêtise hier, c'est pour ça que les lunettes de soleil. Et du coup il faut que je trouve une pharmacie, sauf que nous sommes le 8 mai et que les pharmacies le 8 mai ne sont pas forcément ouvertes. Il faut que je trouve celle qui est de garde. Vous voyez les sprays que tu mets dans la gueule quand avec de l'eau minérale, tu vois. Et ça c'est quand même trop bien et tout. J'ai cru que c'était ça celui qui était dans la salle de bain. Et en fait c'était parce qu'il était blanc et bleu, j'ai vraiment cru que c'était l'eau minérale à se foutre sur dans la gueule. Et en fait c'était pas ça, c'était du déodorant. Ouais, vous pouvez vous foutre de ma gueule, j'ai foutu du déodorant sur ma gueule, sauf que c'est pas rigolo du tout derrière. Autant j'en ai rigolé après en disant putain mais je suis vraiment débile et tout. Autant maintenant je rigole un peu moins parce que j'ai un espèce de petit voile sur les yeux, un petit filtre et je vois pas super bien. Donc c'est pour ça que vous allez me voir peut-être avec les lunettes ce week-end pendant cette vidéo. Si mes yeux ne reviennent pas pour éviter que je les rabîme avec le soleil quoi. On va à la pharmacie, on rentre à la casa, on pose les affaires à Annecy. Et après je pense que je vais aller manger un bout. Je vais me faire préparer une salade et manger un bout au paquet avec les amis. Allez, je vous embarque. Salut la compagnie. Peut-être nous un poil plus haut, tu sais, peut-être. Oh, je sais pas où. Ah ouais, c'est la langue de tout en haut, je suis une couilleuse. Ouais. T'es une quoi? Une couilleuse. Un poil court, non? Ouais, ouais, mais c'est pour... Il fait un nœud de 8, toute seule. Il fait aussi chaud, là, hein? C'est chaud. Tu me diras, faut déjà que j'arrive. Là, Boulette, on est à l'ombre, hein. L'ombre âgée, là. Vas-y. Oui, là, tu peux serrer. Là, tu peux marcher, carrément. C'est bon, ça c'est bon. C'est comme ça. Là je tourne. Allez le. Ouais mais je sais pas trop où aller là. À droite. Des petits pas déjà, tu fais des très grands pas. Là faut que tu regardes un peu parce qu'il y a des endroits où c'est un peu humide donc ça glisse mais... Ouais. Allez je. Pas de complet là, cherche pas à monter les mains, pas de complet. Super. Voilà. Il va falloir aller chercher. Alors là les gars. Allez t'es presque là. Allez t'es presque. Là faut que tu montes ton pied gauche. Corde dans les mains et tu t'assois, voilà. Tu raides où tu mets les pieds quand même. Histoire de pas te faire les chevilles. Pas dans la boue. Voilà. Bravo Juju. À 18h30 c'est l'heure de l'apéro là. On a pas de bière. Là on a fait deux voies. Et on va en refaire. Donc nous on admire. Ils sont bégés hein. Avec leur t-shirt sur la gueule, ouais, ils sont parfaits. Changeons rien. Lunettes full speed. Changeons rien. Je pense que nous on ressemble à rien. On ressemble déjà à rien de 1 et en plus même personne qu'on a rien. Toi, oui. Peut-être, mais genre j'ai pas la même position, c'est-à-dire que lui il est toujours face à la paroi. Moi j'ai toujours le boule qui fait cette position. Il a le panard à la place de toi. Je sais pas si ça se dit parce que le panard c'est censé être les pieds. Mais c'est toi. Ça va aller bien. Si tu colles un peu le cul à la paroi, tu te rapproches sur les genoux là, ouais. Non. De toute façon, ça sera pas plus facile, je pense. Là où t'es, c'est là où il y a le plus de pieds.
Vas-y à fond. Tu veux t'éclater ou te faire mal? T'as plein ma belle. Bravo, bien joué. 1, 2, 3, voilà. Voilà. Tu mets le cul derrière, hein. Faut vraiment. Laisse et le dos aussi. Épaules, lâche les bras, lâche les bras. Ah bon, ok. Yeah. Championne. Demain en vélo. Demain tour de lac. Je sais pas, ça me défonçait la gueule. Ouais, mais avec du soleil comme ça, avoue que faire du sport comme ça, c'est quand même cool. Là, j'adore. Là, je kiffe ma vie. On est Golden Hour, il y a personne, après couvre feu, mais sportif de haut niveau, on a la dérogation. Je ne suis pas sportif de haut niveau, mais j'ai la dérogation. Il y a personne, on va être tranquille. Ouais, mais là, les garçons, ils en font une dernière. Et si c'est pas trop beau quand même? Regardez, hop, le lac. Et voilà, l'autre partie du lac. Fini la côte de Talloire. Allez, ça y est, on vient de finir le tour du lac. On s'est arrêté à Menton parce qu'on a commencé à Menton. Je suis un peu rouge, c'est normal. Mais le cadre, il est ouf parce que s'arrêter, boire un petit café à Menton. Et voilà la vue là où on s'est arrêté. Avec la petite cabane où on peut. Et c'était trop bien. Trop bien. 35 heures. Super tour de lac. Juste trop de monde. Côte de Talloire, pas facile aussi. Bah, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Là, c'est le seul jour où il a pu faire beau. On est mercredi et pendant lundi, mardi, il a plu. C'était l'enfer, il faisait froid. Donc j'en ai profité pour vous faire l'intro et la conclusion. C'est comme d'habitude. J'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous !